Salut! Bienvenue dans le Coachomania! Bienvenue dans une CD. Le plaisir, l'envie, tout ça. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va bien. Et non, madame, non, madame, non, madame, non, madame, madame, non. Taisez-vous. Taisez-vous! Attendez. Attends, calmez-vous. Bah ouais. Hein? Voilà. Oh, quoique c'est bien la musique. Oh! Vas-y, shuffle. Ça va mettre des musiques. Merci Fred! Merci! Bonsoir à toi! Bienvenue et Jessica ta mère, bonsoir, merci pour ton sub, merci pour ton resub, merci bien pour Console Mania, merci pour la chaîne, merci pour l'amour, bien sûr, et pour toi bien sûr plein de pompons, pomponnez-moi cet homme, allez-y, allez-y, j'appuie sur plein de boutons en même temps, merci énormément Fred, et du coup bah bienvenue, bon appétit Animelia, et attendez hein. Je fais des trucs. Je fais des trucs, j'appuie sur des boutons. Du temps, appuyez sur vos boutons, vous aussi. Allez. Donc. Bouton. Bouton. Voilà. Joypad speed. À fond. À fond le ballon, mon gars. Merci. Merci Didan. Merci pour tes beats. Merci pour en tout cas ton amour. Et merci de rendre cet aliment meilleur. Oh ouais. C'est meilleur. Merci. Allez, c'est parti. À fond. À fond les pompons. Remets pas le passe les yeux quoi. Mais tu. Tu sais parce que t'es énervé. Faut pas t'énerver. Faut pas t'énerver, Yando. Je suis actuellement en pleine possession de mes moyens. Tu as le chapeau du TMR, bravo. Voilà. Donc, j'ai bossé mon sujet. Ah, juste avant. Voilà. Là, vous avez combien il y a de tokens. Voilà, maintenant vous savez combien il y a de tokens. En direct live. Voilà. Donc vous pourrez pas me dire ouais. Ça c'est bien. Bah, je vous écouterai pas. Voilà. Donc j'ai bossé mon sujet. Et je suis maintenant OP. Voici comment je suis OP. Alors. Voici ce que j'ai fait. J'ai lu tout le manuel. C'est-à-dire que je serai capable de vous faire un commentaire de texte sur le manuel. Voilà. Le manuel, mais tout le manuel. Tout. Putain, je connais l'adresse de Sega. je connais plein de choses. Et donc après avoir lu attentivement, voici ce que j'ai compris. J'ai compris plusieurs choses. J'ai compris que ce jeu était un petit filou. J'ai compris que qu'il va jouer sur ma patience et qu'on n'en sortira pas vivant. Ou en tout cas altéré. Du coup, j'ai décidé, avec des représentants de la chaîne, c'est-à-dire moi, de lui mettre sa race et de noter tout ce qu'il me dit sur cette feuille blanche, plus que blanc. C'est très blanc. Hein. Je crois que c'est un peu trop blanc.
Attendez. J'arrive. Donc, le jeu est un filou. Alors, pourquoi je dis que le jeu est un filou? C'est très simple. J'ai lu comme quoi, quand tu fais des actions dans le jeu, quand on va dans les sièges, on te dit souvent de retourner dans les sièges. Mais avec la vision de notre personnage, t'as pas besoin de revenir dans les sièges pour gérer en fait tes unités. Mais en fait, si, faut y revenir plusieurs fois, même si tu es déjà allé, afin de trigger certaines locations, puisque le manuel était en anglais, alors je me la pète un peu. Certains lieux, certains sièges qui me permettraient d'avoir un avantage certain pour la suite des opérations. Sauf que c'est un petit filoutube, comme tu dis, mon cher Gichab. Parce que tant que je n'aurai pas fauté, je ne pourrai pas avancer. Donc, il se pourrait qu'on se fasse chier pendant un petit moment. Mais vous savez, c'est pas ma faute. Je veux dire, c'est pas ma faute. Je suis le duc Leto Atreides, ton père. Je suis ton père. Jessica, ta mère. Et lui, c'est mon père. Voilà. Non, mais tu dis mais non, parce que tu connais le jeu par cœur, dit Lando. Voilà. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Merci. Merci, Gichab. Merci pour ton 4e mois de sub. Merci pour Console Mania, ainsi que pour la chaîne. Et bien entendu, comme tout le monde, tu as le droit à avoir tes pompons. Comme tous. Eh oui. Et après, on se plaint de Technoclash. Technoclash n'est pas la même douleur. Tu veux, c'est comme si je te coince les doigts devant une porte. T'auras pas la même mal que si je t'écrase les pieds. Ou alors je te roule sur les pieds. Et ben voilà, c'est pareil. C'est pareil. Donc il va falloir beaucoup revenir sur ce qu'on fait. Revenir voir Jessica, ta mère. Et finalement, essayer de faire le plus d'erreurs possible afin d'essayer de corriger le plus de problèmes possible. Alors bien sûr, les sauvegardes, je pense que je l'aurai dans les fesses. On recommencera sûrement 2-3 fois. Je tiens à vous le dire. Mon fils, et voilà. Nous devons démarrer l'extraction des pistes dès maintenant. Sinon, l'empereur va nous expulser de Dune. Nous avons repéré 3 troupes de Fremen pas loin du palais. J'y ai envoyé Gurney Halleck. Il n'est pas encore revenu. Parfait. Voir ce qui se passe. Bien sûr. Je vais y aller. Mais tout d'abord, je vais me regarder dans le miroir. Je vais sauver la situation. Ici. Voilà. J'ai écrasé ma Sokka. Mon ancienne Sokka. Voilà. Douleur et... Ah oui, non mais... Vous savez, j'ai compris. J'ai compris. Et on va voir ma mère. Allez, c'est parti. Jessica, ta mère. Je suis Jessica, ta mère. Voilà. Le duc a envoyé Gurney Halleck à Kartak-Tueg. Sors, prends un orni et va là-bas. T'inquiète. Dépêche-toi, mon fils. Je pressens un danger. Ah, je pressens un danger. On y va vite. Donc Kartak-Tueg là, on dirait des noms, franchement, ça fait un peu Stargate, hein, en vrai. Je pense que c'est comme Stargate. Choisir destination sur carte. Kartak-Tueg. Voilà. Je pressens un danger, le game over ta mère. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Allez, donc, on y va. C'est parti. Je suis Gurney Halleck. Ah ouais.
Je viens d'entrer en contact avec les Fremen. Ah. Les Fremen ont toujours vécu dans les sables de dunes. Ils vivent dans les... J'ai essayé de les convaincre de travailler pour nous. Oui, essaye. Donc attends, d'abord toi. Je viens d'entrer en contact... D'accord, Paul. Voilà. Donc toi, tu vas venir avec moi. Et on va parler à monsieur. Bonjour. Nous avons entendu parler de toi. Je suis Jessica, ta mère, voilà. Oui. J'accepte que ma troupe travaille pour... Voilà. Donc lui, on va lui donner un ordre. Qui va, bien entendu... Ma troupe attend tes ordres. D'être... bien de se spécialiser dans l'épice. Parce que de toute façon, pour le moment, je n'ai pas d'autre possibilité que de faire ça, car même leur capacité en combat ne sera, ce que j'ai cru comprendre, pas compliqué. D'ailleurs, ne spoil pas. Dis Lando, tu dis rien. Tu dis rien. Et vous dites rien. Je veux pas voir un mec spoiler. Oh putain. Je veux faire mes propres erreurs. Voilà. Oh putain. Nous n'avons pas bien l'habitude d'extraire l'épice. Nous allons essayer d'apprendre. Allez, apprends. Apprends. Et regardons la... Alors, regardons la map. Alors pas comme ça. Alors attends, comment c'était? Oui, il fait pas beau tout ça. On peut pas regarder. Non, alors ça c'est autre chose. Non, on pouvait pas. Un truc, hein. Ah, voir densité épice, mais on n'a pas encore les mecs. Ah d'accord, c'est bon. Choisir destination sur carte. Allez, on va voir tout le monde. Carthage Timin. Oui. Spoiler, il y a coupage jouable dans Mario Tennis, c'est génial. Vraiment, c'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf, vraiment, Mario Tennis, génial. Je sens quelque chose en toi. Ouais, je sens moi aussi. Je sens des trucs aussi. Je... Non, alors attends, laisse-moi tranquille pour voir. Je sens qu'elle... je ne suis pas très sûr... je ne suis pas très sûr que tu sois en... je ne suis pas très sûr... va te faire foudre... Voilà. Alors, tu n'es pas sûr, c'est pas grave. Choisir destination sur carte. Carthage Arg. Arrêtez de vous respecter. Qu'est-ce que ça va être après? Non mais où? On choper là. Choper, le jeu, il est gratuit. Nous t'avons vu venir de l'autre... Ouais. Oui. Parfait. J'accepte que ma... Voilà. Nous attendons tes ordres. Nous nous y connaissons un peu en extraction d'épices. Bien sûr. Vous me dites, hein, si la musique est... Choisir destination si sur son carte. Qui va pas, hein. Carthage Timin. Vous me dites, hein, moi, y a pas de soucis, hein. S'il faut que je vous augmente le son, je vous augmente le son, hein. Laisse-moi t'augmenter le son, hein. J'ai un peu mal aux dents. Sachez-le. Donc, Nous t'avons vu... je ne suis pas très sûr que tu sois en mesure d'appeler. Ouais, tu me saoules un peu. As-tu remarqué que tous les Fremen que nous rencontrons, on les... Ah. Les Fremen semblent... Allons dire au duc que nous avons deux troupes. Ok, c'est génial. C'est pas facile de manger épicé. Voilà, sortez-moi Julius tout de suite. Choisir destination sur carte. Sortez-le-moi d'ici. Ça va aller vite là, ça va aller vite, je suis chaud. Merci. Pour la porte et prends tes affaires. Hein. Les Fremen ont un vêtement spécial qu'ils appellent un distil. Oui, il faut que j'aille il chercher. Nous faut des distils. Vois donc avec Gurney Alec si vous pouvez en trouver. Ah oui, c'est la fête de la musique. Oui, bah j'écris au spoil. Et rappelle-toi, évite de t'aventurer à... Oui, bah voilà. Je vais voir ma mère.
ton ami Duncan. Génial. Bonjour. Je suis Duncan. Oui, eh bien, en ce moment, je n'ai pas grand-chose à... Ouais. Si tu veux en savoir plus... Demande à ta voici mère. Voici le niveau actuel de nos stocks d'épices. Ta mère. Rappelle-toi bien que... Alors. Ah oui, j'y suis. Les Fremen dans le siège où nous nous sommes rencontrés m'ont parlé d'un fabricant de distilles. Ok. Bah écoute, on va y aller. Mais on va faire avant... on va jouer au débile. Choisir destination donc là, sur carte. Il était ici, mais on va jouer au débile. Voilà. Carthage, Arg. J'ai décidé de jouer au débile et de retourner voir tout le monde tout le temps. Tu vas voir, moi, si je vais pas jouer au con. Moi. Tu vas voir si après ils vont dire ah, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Hein. Ah bah, tu vas me voir tous les jours, mec. Notre activité est d'extraire l'épice. Puis-je te montrer les caractéristiques de ma troupe? Oui, bien sûr. Laisse-moi te montrer. Les Harkonnen sont tout près d'ici. Mmh. Ok. Les Harkonnen sont tout près d'ici. Bah, écoute, c'est génial. Il y a à dire un autre? Notre activité... Voici les... Laisse-moi... Cette zone est... Les Harkonnen... Ok. Allez. Choisir destination sur carte. Allez. Carthage Timin. Donc au début, ça va démarrer assez doucement, vu qu'on a déjà fait. Je sais pas si on va voir des choses que j'ai pas vues pendant ces 3 heures. Je pense que non. Nous t'avons vu. Je sens quelque chose en toi. Mmh. Bon, je pense que lui, il veut toujours pas. Nous t'avons vu venir. Voilà. Je ne suis pas... Voilà. Choisir destination sur carte. Carthage Tuek. Quand même, c'est pas un pilote de F1. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, José Lito? Pourquoi t'as un plébien? J'ai mangé un bon fromage tout à l'heure. Ou alors, il fait froid. J'étais sûr que tu me poserais. Oui, je connais un fabricant de distilles. Tu trouveras si tu voles en Orny à l'est. Tu le trouveras si tu voles en Orny vers l'est. Notre activité est... Jette un coup d'œil sur notre production d'épices. Merci. Il y a un siège... L'Est. Choisir destination sur carte. Vas-y. Désert vers l'Est. Vas-y, vole. Vole. Bah t'as toujours les emotes, tant mieux, hein. Merci. Merci Green Silvo, merci pour ton seul, merci pour ton 4e mois. Merci de ne pas être plébien. Gardez vos poils plébien. Je n'en... Oh, j'ai fait une blague de Romain, là, je suis pas bien. Je suis désolé. Mais merci en tout cas, Green Silvo, et pour toi, plein de pompons. Bien entendu. Oh. Merci. Oh, ça va, hein. Vous aussi, vous faites des blagues pas drôles, hein. Voilà, donc là, il y a une blague de moins, j'ai le droit, 34. Merci, Skyzer. D'ailleurs, salut. Je crois que je t'ai même pas dit bonjour. En vrai, Dune en mode Mass Effect pour l'explo et les dialogues, j'aurais trouvé ça stylé. Ouais. Hey. Merci. Merci, Crélian, merci. De faire un sub à notre cher José Lito. José Lito qui n'est plus plébien grâce à toi. Bravo! 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 Et bien entendu, autant de pompons pour Crélian que pour José Lito. Bravo, José Lito! Bravo! Allez, gauche, on y va. Donc. Alors. Bonjour. Bienvenue. Ainsi, tu voudrais connaître le distil. Oui. Je vous donne un distil. Oui. Je connais 2 sièges de plus dans les environs dont les chefs seraient plus qu'intéressés de te rencontrer, Paul Atreides. Va vers le nord et à l'est Va à partir vers le nord. Nord Nous et avons est. Entendu parler de toi.
Oui. J'accepte. Nord et Est. Nous attendons tes ordres. J'ai vu une moissonneuse que personne ne semble utiliser. Ça serait bien de l'avoir. Mmh. Eh bien, écoute... Attends, je pense que c'est ça, non? Puis-je te montrer les caractéristiques de ma troupe? Je suis persuadé que nous ferons du meilleur travail avec cette moissonneuse. Alors, il y a un autre truc que je Voici faisais pas aussi. Voici les caractéristiques de ma troupe. Tu peux, en fait, demander à ta troupe... Voici ce que... Veux-tu que je répète? En fait, aller chercher chercher de l'équipement. Alors là, bon, j'ai besoin de mon... de ma troupe. Enfin, si je leur donne l'orni... Enfin, je crois que c'est mon orni, hein. Ça. On est d'accord. Je crois que c'est mon orni, ça. Hein. Merci de m'avoir donné ton orni. Puis-je te montrer les caractères? Il faudrait leur en trouver... faudrait trouver des ornis au mec. Ah bon? Plus d'orni? Ouais, bah c'est bon. Laisse-moi te montrer les caractères. Et s'il me permettra en fait de ne pas que moissonneuse se fasse avaler. Donc nord et est. On va juste écouter Gornet d'abord. Visitons ces deux nouveaux ciels. D'accord, mais je pense que tu as tort. Ah oui, merde. Je peux encore. Merde, pardon. Visitons ces deux nouveaux ciels. D'accord. Ouais. Donc, l'orni. On va choisir destination sur carte. Ah mais attends, ils sont déjà marqués. Bah regarde, nord-est, ouais, c'est déjà marqué. On va aller. Tuono Tuek. On va faire ça. Après on revient aux trois autres. Non, on fait sud-est, à l'est. Sud au nord, on revient aux trois autres. Et on retourne vers le duc, ma mère, mes frères et mes sœurs, tout ça, voilà, chanter. Nous, Fremen, sommes les... Ouais. Ok. Voici donc... Oui. 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 Nous attendons tes ordres. Alors, attends, il y a marqué quoi? Ok. Non! Pour l'instant, mes hommes ne voient aucune raison de combattre pour toi. Oui, je sais, de toute façon, on peut pas le faire. Cette zone doit être prospectée avant de commencer à extraire l'épice. Regarde les caractéristiques de ma... Ok. Regarde les caractéristiques de ma troupe. Mais je devais ça... Ouais. Bah oui, mais tu referas le sabbat un jour, ou alors tu le gardes pour plus tard, ne t'inquiète pas. Un seul spoil sur la truc et de la... Quoi? J'ai pas compris, qu'est-ce que tu veux me dire? Dis en deux, je t'écoute. Hop. Choisir destination sur l'info carte. L'info trigger. Est-ce que c'est vraiment important? Ou est-ce que genre je vais en chier? Cartage, tu veux me dire tabre. Parce que je vais en chier? Qu'est-ce que... Comment? Dis-moi. Parce que j'ai quand même bien bossé le truc, hein. Je sais ce que je fais là. Voici donc... Voici donc. Oui. J'accepte que ma troupe. Ma troupe attend tes ordres. Cette zone doit être prospectée avant de commencer à extraire l'épice. Faut que tu perds pas trop de temps. Allez. Choisir destination sur carte. Espérant que c'est pas un gros spoil, hein. Tourne au tabre. Et on revient pas avoir tout le monde. J'ai plus de jus d'orange. J'ai bu mes trois bouteilles. En deux semaines. Ça va. Eh, vas-y, c'est moi qui décide. C'est chez moi ici. Oui, une troupe Fremen qui est venue ici un jour a prospecté les pistes dans... Non, nous ne savons pas où elle est maintenant. Au premier abord, il ne semblait pas très avenant, mais ça... Notre activité est... Regarde. Ok. Oui,
une troupe Fremen qui est venue ici un jour... Non, nous ne savons pas où elle est. Notre activité est d'extraire... Alors, on se casse. Non, je vais te mixer, moi. Choisir destination sur carte. Plus d'une fois par jour. Ouais, mais les jours tournent, je les regarde pas, le jeu. Carthage, je préfère tourner, c'est pas très grave. C'est pas très très grave. Il faut que je regarde si on est au 3ème, 4ème, 5ème, enfin tu vois, genre... voir quelque chose où je vais faire des actions en même temps, je suis pas sûr si je vais arriver à retenir le truc. Oui, une troupe Fremen qui est venue ici un jour a prospéré. Non, nous ne savons pas où elle est maintenant. Notre activité... Voici les caractères... Je me doutais bien qu'il... Et je suis convaincu que cette troupe n'est pas loin. Choisir destination sur carte. Carthage Timin. C'est vrai. C'est dommage que le jeu ne me dise pas quel jour on est. Pas con. Nous avions entendu dire que tu serais susceptible de faire appel à nos services. Oh là là ! C'est les prospecteurs ! Prospecter l'épice est un travail dangereux. Mais je suis l'homme qu'il te faut. Ma troupe est spéciale. Nous avions... Ah... Ça... Je vais te prospecter la gueule, moi. Ma troupe attend tes ordres. Alors attends... C'est pas lui là qui s'occupe de la prospection ? Ou j'ai rien compris ? Ouais, c'est chef prospecteur, ouais. Ma troupe attend tes ordres. Puis-je te montrer les caractéristiques de ma troupe ? Non. Arrête de me montrer, Ray, montre-moi. Nous attendons tes ordres. Casse ta gueule, moi. Nous attendons tes ordres. Ok. Nous sommes imbattables pour prospecter de l'épice. Au fait, j'ai là quelque chose qui va t'intéresser. Prends cette carte de la planète. Ok. Tu vas aller prospecter, mon ami. Tu pourras compléter. Alors. Montre-moi trois sièges où je dois... Prospecte-moi ça, et puis après, tu reviens là. Ok. Ça fait un triangle. Ça fait un triangle, oh my god. Donc, je peux voir les densités... On y va. Choisir destination sur carte. Palais Atréide. C'est Atréforce. Illuminati, tout ça. Alors. C'est Gréchim. Regarde. Oh, ouais. Il fait meilleur à l'intérieur. Oh, vous commencez pas avec il fait beau, il fait chaud, il fait froid, il fait pas... Merde. Il faut que je te félicite pour... Pardon. Voici l'on... Tu peux remarquer que nous avons produit davantage d'épices hier que le jour précédent. Okay. Rappelle-toi bien que l'épice... Oui, oui, rappelle-toi bien que... Oh mon dieu, voilà. Elle est où ma mère? Elle est dans ma chambre, je crois, ma mère. Nous avons eu les distils. Paul, comme tu le sais, nous ne sommes dans ce palais que depuis peu de temps. Et nous n'avons pas encore... ta mère, Jessica... Elle a un don spécial. N'oublie pas que pour l'instant... Je vais aller voir ta mère. Allez. Alors, regarde dans le miroir d'abord. Recommencer le jeu, bam. Hop. L'épice est extrait des sables de dunes. Oui, oui, oui. Je me demande si la proximité... Oui, je t'ai donné plus qu'une éducation. Oui, je ne peux t'en dire plus pour le moment. Mais si tu trouves quelque chose... Bien.
Allons donc explorer. Nous allons essayer d'examiner les quelques... Mes sens ne m'indiquent rien de particulier. Nous allons essayer d'examiner les quelques pièces auxquelles nous avons accès. Elle va sentir un truc, là. Voilà, ça y est, elle sent un truc, là. Il y a quelque chose. C'est si... Voilà. Attends. Je sens quelque... Il y a une porte. On y va. Oh mon dieu. Oh mon dieu. On dirait une... Une salle de communication. Salut à tous. Rassemblons-nous tous ici. Je veux voir mon nom spécial. Jessica a vraiment des pouvoirs étonnants. Étonnant. Merci Leto. Mais je peux te dire... C'est étonnant. Je veux profiter du fait que nous soyons... Il a visité 6 sièges. Et maintenant, ses troupes de Fremen travaillent pour nous. Je suis surtout heureuse de constater que Paul... Paul, je suis... Parfait. Donc on est tous contents. Je me demande si Duncan est satisfait de la production de... Eh ben on va aller le voir. Donc ma mère, elle est fatiguée, c'est ça? C'est une salle de communication. À chaque message, un hologramme de l'expéditeur. Aucun message n'est encore sondé ainsi les... Oh là là, ça m'a fatigué. C'est vraiment une femme parfaite, hein. Vraiment, on a vraiment de la chance. Tellement de la chance que... Sondé ainsi. Reste là. Je reste ici. Ouais. Même avec les Fremen, nous n'irons pas très loin pour extraire les pistes si nous n'avons pas plus de moissonneuses. Tu m'as dit que tu as vu une moissonneuse dans un siège. Va là-bas avec Gurney et demande-leur où ils l'ont trouvée. Bien sûr. Voici le niveau actuel de nos stocks d'épices. Tu peux remarquer que... Oui. Allez. Donc c'est assez simple. On va regarder la carte de Dune. Regardez où on a récupéré l'autre là, où il l'a récupéré. Donc c'est en bas. Les mecs en haut à droite, ils travaillent pas. Ça, c'est normal. J'aurais peut-être dû aller demander aux mecs d'aller... d'aller tout d'abord... Choisir destination sur carte. Enfin, au plus près, quoi. Mais c'est pas grave. Clonotabre. Donc là, on est le troisième jour. Techniquement, d'après Dilando, on devrait pas me donner plus d'informations qu'on m'a donné là. Parce que la journée n'est pas passée. Mais peut-être qu'avec le script, ça fait avancer les choses. Je pense que oui. La moissonneuse, nous l'avons trouvée dans un siège au nord-est. En partant d'ici, vole droit vers le centre du cratère. Au nord-est. Mais ne va pas au-delà de la... Notre activité, notre expert... Au nord-est. Eh ben écoute, nous allons aller au nord-est. Beau siège. Oh, beau siège. Oh, dis donc, il fait bon ici. Alors, nord-est. Choisir destination sur carte. Voilà. Désert vers le nord-est. Vas-y, roule. Beau siège, belle troupe. Belle décoration, il fait froid. J'essaye de remplir le jeu. Non, pour l'époque, c'était bien, vous inquiétez pas, je me moque pas. Je me moque pas. D'ailleurs, sachez que j'ai redemandé d'avoir le All-Star Streamlabs, tout ça. Peut-être que l'on aura des trucs de fou, vu que je demande toutes les semaines, hein, n'oubliez pas. On repart sur nos fameux... vous avez peut-être oublié à l'époque, depuis maintenant. Mais c'est bon, on peut redemander. Ah oui, il faut remercier Crédian, bien sûr. Remercier Crédian, remercier tout le monde. Remercier quand on vous offre un sub. Et si vous êtes une raclure, ne remerciez pas. Comme ça, on vous vire. Non, voyons, Adertus, pas de ça ici. Sinon, on va avoir des problèmes avec un certain homme à double queue. Hein. Faut que tu tournes un peu à gauche. Oh, moi, je pense qu'il va trouver, là. Je lui fais confiance. Je fais confiance. Allez.
Je te fais confiance. Ah. Waouh. Temps fort de l'E3, génial. Ah, tu penses vraiment. Pff, ah là là, mais non. Allez, le jeu vidéo. Bah oui, celle-là de queue. Vous connaissez pas Tails? Vous êtes nuls. Bon. Donc ça va bientôt être le quatrième jour. Donc on va pouvoir sûrement avoir de nouveaux dialogues. Et qui dit nouveau dialogue dit sûrement nouvelle position de Sietch. Car tant que je n'ai pas découvert le monsieur oh là là trop fort, du coup mes Sietch ne sont pas armés ou voilà. Et bon, voilà. Télé-té-té. Ah bonjour pseudo. Ah bonjour pseudo. Bon alors comment on va pseudo? Est-ce que c'est toujours aussi compliqué C'est toujours aussi compliqué Mario Tennis. Hop. Bon il m'a dit de pas aller là. Est-ce que tu peux tourner s'il te plaît? Il m'a dit de pas dépasser le. De pas dépasser le cratère là. Enfin de. Voilà. Je t'ai dit de tourner à gauche, s'il te plaît. C'est pas très compliqué. Tourne à gauche. Biswal, Kurt, Biswal. Tourne gauche. Quoi, bien. Tu peux le faire. Il va tourner à gauche. J'y crois à mort. Ok, tu veux pas tourner à gauche, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je t'en veux pas. Non, elle marche pas. La moissonneuse, nous l'avons trouvée dans un site au nord-est. Mais ne va pas au-delà de la chaîne de montagne. En partant d'ici, vole droit vers le centre du cratère. Merci. Merci, Joselito. Ne va pas au-delà de la chaîne de montagne. Merci pour ton sub. Merci d'offrir un sub à notre cher Pseudoless. Et des pompons pour les deux. Bah oui. Allez, go. Allez, go. Allez, go. Merci énormément. Plus de poils plébiens, et ça c'est vachement bien. Donc, partant d'ici, vole droit vers le centre du cratère, mais ne va pas au-delà de la chaîne de montagne. D'accord. Heureusement que quelqu'un m'a dit d'aller dans la direction qu'on te donne et de ne pas toucher. Choisir destination sur carte. Heureusement! Allez. Désert vers le nord-est. Oui, je sais, Greshim, je sais. Mais sachant qu'on m'avait déjà dit, en gros, on m'a donné des informations contraires. Dans le doute, voilà. Il a dit dans la majorité des cas. C'est pas grave. Tomber sur une erreur là maintenant n'est pas grave. C'est pas grave. Autant faire l'erreur maintenant que de faire l'erreur plus tard. Quand Fla, les Harkonnen, Fla, comme on dit. Merci, Albator, pour le follow, merci beaucoup. C'est pas grave, j'ai dit, oh là là, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, merci pour tout ce que tu fais. Ta présence, c'est déjà beaucoup, tu sais. C'est déjà beaucoup. Bonsoir Greg. De mater leur marathon Dr. Boo. Eh bien, écoute, ta convenance. Alors, je pense que
Allez, je tournerai un peu à gauche encore. Est-ce qu'il la prend en compte? J'aimerais bien boire un peu d'eau aussi encore. Tourne pas assez à gauche. À ma guise, hein? Ah là là. Et si tu savais? Gauche! Please! J'ai appuyé sur un bouton. Laisse-moi appuyer sur ton bouton. Ok. Attends, je pense que j'ai vu un ciel. Bien sûr, on va vers ce droit. Allez. As-tu vu les deux moissonneuses autour du siège? Nous devons aller aux deux sièges les plus proches pour dire aux Fremen de venir les prendre. Écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Donc, choisir destination sur carte. Alors avant. Avant de faire ça. Pas des densités. C'est des choses qui n'ont pas été encore. Prospectées. Sachant que je crois, Salus Blois, que les sièges de à l'est, enfin le siège à l'est n'est pas le meilleur. On va quand même retourner voir tous les autres sièges, vu qu'on est au quatrième jour et que je peux aller voir les autres sièges. Et en tout cas, je vais dire à celui de gauche et celui du bas. Attends, non, c'est quoi que celui du bas, en fait, est déjà avec une... Ouais. Donc logiquement, ah mais il est plus près quand même l'autre. Hein. Potentiellement il est plus près. Mais je crois que potentiellement aussi il n'a pas la possibilité ouais, il n'a pas été prospecté donc voilà. Putain, voilà, j'ai envie de dire putain. Allez. Choisir destination sur carte. Donc, cette fois, comme je commence à avoir des sièges, en avoir pas mal, je vais essayer de m'en sortir. Donc, comment je pourrais faire? Tiens, on va faire avec ce quadrillage. On va faire ma map. Donc, on va dire que là, j'ai mon centre. Enfin, j'ai mon palais. Mon palais. Et avec le quadrillage, hein, donc j'ai un siège ici, ici, ici. Ah ouais, parce que là on fait des maps, hein. Là on fait des maps, on rigole plus les mecs. Hein. Oh là là. Ici, ici. Je te fais un bouton ici et ici. Ah on rigole plus hein. Voilà. Hop. Oui, on est au jour 4, j'ai vu. Merci. Donc, on va prendre un crayon papier. Merci, Cetos. Merci beaucoup pour ton sub. Merci pour ton resub. Merci énormément pour tout ce que tu fais pour la chaîne. Ainsi que pour Consolemania, bien entendu. Ça se compte dedans. Et bien entendu, pour toi, Max Pompon. Pompon, 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 pompon. Pompon, pompon. Merci. Merci beaucoup. Alors, on est jour 4. Qui dit jour 4 dit faut aller visiter tout le monde. On prend un crayon papier. On prend une gomme. Je te dis, il me baisera pas le jeu. Et si je me fais baiser, ah, je peux te dire qu'il va m'entendre. Hein. Alors, tiens, il y a une gomme là. Non, c'est pas une gomme. Bon, alors, pour pas hurler. Hein, pour pas hurler et pour pas bien entendu déranger potentiellement les voisins qui doivent sûrement eh bien, faire la fête de la musique. Hein. On va appeler Célia hein, parce que j'ai pas envie de hurler, j'en ai marre. Et je vais demander d'aller m'amener une gomme. Qu'elle répond à son téléphone. Ah, attends, quoi que c'est une gomme ça? Non, merde. Oh, une gomme là. Merde. Oui, est-ce que tu pourrais m'amener une gomme s'il te plaît? Oui.
Parce que si, en fait, si je te parle, tu vas pas entendre. D'accord, bah est-ce que tu pourrais amener une gomme? Une grosse gomme, hein, pas une gommette. Hein. Voilà. Parfait. Eh ben, on est dans notre château, hein, nous. Hein. Attendez, moi je suis streamer, hein, n'oubliez pas. Hop. On est au pied, je vous dis. C'était pas une pub. Je te l'ai expliqué, je crois. Mais dans le doute, ce n'était pas une pub. Hop. Oui, bien sûr. Ouais, je suis Chab, pas trop sur Célia, on t'a déjà dit. Donc, je suis ici. Donc, pas besoin d'aller déjà vérifier ce coin-là. Donc, je peux aller vérifier le coin ici. De toute façon, il va falloir que je leur demande d'aller chercher un truc. Donc, quatrième jour. Ah non, on est au cinquième jour, là. Donc, obligatoirement, il y a des choses qui se passent. Bonjour. Notre activité est Regarde les caractères. Regarde. Laisse-moi te montrer les statistiques de notre production d'épices. Tu dessines et t'as pas de gomme. Tu veux vérifier? Bah non, je veux pas vérifier, mais bon, t'as pas de gomme. T'as pas de gomme. Tu dessines sur du papier, mais tu n'as pas de gomme. Je dessine sur une tablette, mais tu m'avais dit que tu dessinais pas. Tu dessines aussi sur le papier. Hé, attends, je peux avoir autre chose, s'il te plaît? La petite bouteille, elle est où? Dans le sac, là, non? Est-ce que tu peux me la mettre... est-ce que tu peux me donner de l'eau fraîche? Oh, me tire pas une tête comme ça! Comme si je faisais rien! Comme la caisse des chats que t'as pas voulu faire! Allez. Il y a un siège pas très loin d'ici, vers le sud-ouest. Sud-ouest! Parfait! Donc on est ici. Sud-ouest. Tralala. Sud-ouest, hein. Je te dis que ce jeu il est gratuit. Quoi? Oui, j'ai revenu, je m'en fous. Ça aurait pas les tokens? Bien sûr! Ils sont là, ou c'est mon compteur de blagues. Voilà. Voyons, le Satan, c'était très gentil. Je lui répéterai. Dans 2-3 ans. Allez. Donc lui. Alors. On va lui donner des ordres. Notre activité est d'extraire l'épice. Montre-moi où je dois aller. Attends, mais on peut pas lui dire d'aller chercher. Notre activité est d'extraire. Merci, Joselito. Merci pour tes 500 bits. Merci énormément pour la chaîne. Merci beaucoup, beaucoup. Et bien sûr, pour toi, bah, comme toujours, hein, plein de bonbons. Bien sûr. Un token, une blague. Exactement. Exactement, exactement. Ah, voilà. Allez chercher équipement. Parfait. Ok. Donc là, lui, il va chercher techniquement l'équipement qui est dans le siège à côté. Techniquement. Parfait. Donc, je suis allé lui parler. Hop. Et on quitte la carte. Je prends... Oui, je dois aller au sud-ouest. Choisir destination sur carte. Je vais au sud-est. Désert vers le sud-ouest. Dans le siège passager. Bien vu. Bonne blague. Bonne blague. Je te donne, eh bien... toute ma considération. Ah, c'est sympa, quoi. Mais vous voyez, ça avance plus vite, là. On est plus dans l'action. Mais non, mais tu dis ça parce que t'es énervé. À la Coupe du Monde, bordel. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Donne-lui Vagrant Story. Je te donne Vagrant Story en ISO. Je suis sympa.
dirait un siège là, à gauche. Parfait. Voilà. Donc. Regarde la date. Non, attends. Bon, c'est pas grave, on y va. Donc là, je ne suis jamais allé, je crois. Maintenant, le mieux, c'est de retourner au palais, après avoir attribué les démocratiques. Oui, t'inquiète pas, on a le temps. Donc là, il semblerait qu'il n'y ait personne. Ben, il n'y a personne. En tout cas, il n'y a que moi. Bon, c'est bien, on a trouvé un siège qu'on n'avait pas trouvé la dernière fois. Choisir destination sur carte. Mine de rien, c'est pas mal. Je vais effacer ma petite flèche. Voilà. Et on y va. Alors. Attends, je me suis trompé. Là. Ah ! Le quadrillage bouge ! Oh mais non, mais c'est nul ! Et pourquoi le quadrillage il bouge ? Je t'en mettrais, moi, du quadrillage qui bouge ! Gros con ! Donc le quadrillage bouge. Ok. Là, bon. C'est ça. Hop. Donc. On va regarder la carte. Voilà. Donc, lui il est parti, c'est le prospecteur. Lui. Non, on est allé là. Donc, lui il est parti aller chercher la moissonneuse. Et le prospecteur est parti voir l'autre. Ah bah, il est arrivé. Et le prospecteur est arrivé également. Et bien, du coup, nous allons. Nous allons vers le prospecteur. Choisir destination sur carte. Donc, nous allons aller ici. Carthage Tabre. Parfait. Ce n'est pas le vrai sapin, rendez-le nous, please. Ok, ça fait bientôt une heure, on va faire une pause dans pas longtemps. Merde. En fait, là, j'ai un console mania que j'ai enregistré, moi je suis en train de jouer à un autre jeu. Donc, bonjour. Je suis le sapin du passé et du futur. Donc, chef Rumen, qu'est-ce qu'il a à me dire, lui? Donc là, on est... ici. Notre activité d'extraire l'épice est impossible immédiatement. Oui. La zone doit être prospectée avant que l'on puisse commencer. D'accord. Nous sommes les prospecteurs des... Notre expérience... Voici, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'épices dans la région et les gisements sont assez faciles à localiser. Les Harkonnen ne... Ouais, donc les Harkonnen sont de l'autre côté, là, on a vu. Donc ça, quand il dit ça, ça doit être sûrement que notre voilà. Notre activité d'extraire les... Ok. Voilà, donc là, il va chercher les moissonneuses. Donc là, le mec qui a ici, il a la moissonneuse. Lui, il va aller la chercher. Et donc, du temps, comme nous sommes malins, je vais aller dans les autres sièges. Afin, eh bien, d'apprendre un peu plus sur la localisation d'autres CH et repartir au palais, sachant que il n'y a pas eu de trigger concernant le monsieur qui veut l'épice, donc le chef de je sais pas quoi là. Et il n'y a pas eu de trigger sur Jessica, ta mère, qui fait ouin, en fait, tu es. Va dans le désert, tu vas voir, ça va être génial, tu vas avoir des super pouvoirs, c'est génial. Tu comprends rien, eh bien, c'est pas grave. Comprends mieux. Je pense que c'est ce que te dirait quelqu'un qui aime le jeu. Bon. Oui, les Harkonnen sont juste en haut. Donc, j'ai fait ça. Donc, on va faire tac. Voilà. Voilà. Parle bien des mamans. J'ai pas parlé mal de vos mamans. Choisir destination sur Calmez-vous. Carte. Calmez-vous. Carthage Arg.
Un perdu. Exact. Pas. Notre actif. Voici. Laisse-moi te montrer les stats. Cette zone. Les Harkonnen. Ok. Donc lui, je pense qu'ils ont rien à me dire à part ça. Donc c'est pas très intéressant. Choisir destination sur carte. C'est pas eux qui vont me permettre d'avoir d'avoir Carthage quelque chose. Carthage Timin. Mais... Merde. Maintenant, le mieux c'est de retourner. Oui, mais qu'est-ce que quoi? Je te parle pas à toi. Oui, en fait, ça, y a personne. Ouais, bon, on y va quand même, on sait jamais. Salut, Ocrex. Moi, j'ai envie de dire, dans le doute, on y va. Dans le doute, on goûte. Choisir destination sur carte. Attends, c'est quoi Carthage, ça déjà tuec. Dans le doute, faut que tu goûtes. Voilà. C'est dans quoi ça déjà? Je sais plus. Un siège éjectable, on l'a déjà fait, malheureusement, je suis désolé. Je refuse cette blague. Notre actif. Laisse-moi. Notre niveau de production a baissé. COD. L'épice est plus. Ah, on s'en fout. Regarde, c'est un travail nouveau pour nous. Quand il y a pelouse, il y a match. Ah oui, dans Monster Hunter. C'est vrai. Là, c'est vrai, merci. Ah, ça, c'est pseudo qui a dit ça. Choisir destination sur carte. Allez. Tourne au tabre. Y a pelouse, y a match. C'est qui a dit ça? Au secours. Notre actif. Notre expérience. Puis notre niveau de production a baissé. Regarde les. Ok. Génial. Alors lui, il a rien à compter. Donc on est allé voir tout le monde. Regardons. Donc apparemment, les deux personnes qui sont allées chercher, enfin tout le monde a eu là, ces trucs là. Voilà, c'est génial. Carte rouge, exactement. Pas mal. Vous êtes vraiment sale. Et du coup, avant de faire la pub, on va attendre que notre cher prospecteur, avance ici. Alors par contre, ce que je vais faire, j'ai besoin de savoir un truc. On va sauver. Hop. Je quitte le globe. Et j'aimerais savoir. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut faire de l'avance rapide? Génial. Est-ce qu'il avance sur la map? On va voir. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il va avancer sur la map. Non. Il semblerait que non. Quand le mec donne le nom des sièges, on dirait mon père qui parle anglais. Pas mal. Donc apparemment, il n'y a pas d'histoire d'avancement. Donc ce que je vais faire, et tu m'as spoilé, Zilando, tu m'as spoilé. Ne réponds pas à la question. Choisir destination sur carte. On est où? Choisir destination non. Sur carte. Je vais choisir une destination, moi. Tu vas voir. Voilà. Il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui. Du coup, on va aller le voir. Choisir destination sur carte. Carthage Timin. Au contraire, c'est la carte en dessous. Et bah, c'est pareil. Ça devrait pas bouger. Pas bouger, on te dit. Nous sommes les notre ex. Laisse-moi. On a prospecté toute cette région.
Je vais aller voir ailleurs. Nous sommes les Nous sommes les prospecteurs d'épices. Montre-moi trois sièges où je dois aller. Alors. Mais attends, t'avais pas fait ça? Non, t'as pas fait ça. Hop. Hop. Et puis, ouais, bouge pas de là, ça sera très bien. Ok. Ok. Allez, go. Choisir destination sur carte. Palais Atréide. Parfait. Alors, je gomme. On est sur une nouvelle journée. Hein. Ah. Donc, on va aller voir tout le monde. On regarde Duncan. Bonjour, Duncan. Voici le niveau actuel de nos stocks d'épices. Très bien. Tu peux remarquer que nous... Très bien. Rappelle-toi bien. Ok. C'est assez différent des sièges où nous sommes allés, hein. Quand? Donc ma mère est peut-être dans ma chambre. Je fais de mon mieux pour t'aider. Ni 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 ni. Ok. Parfait. Voici l'endroit du palais. L'homme a besoin de nouvelles expériences. Sans ces changements, quelque chose dort en nous, avec peu de chances de se réveiller. Le dormeur doit se réveiller. Tu as vu le message dans la salle? Non, on y va. Alors, voilà le message. Donc ça doit être, voilà, c'est l'empereur qui dit « Ouais, moi je veux des, moi je veux de l'épice, s'il vous plaît !» Je vous rappelle que je vous ai envoyé sur Dune pour extraire l'épice. Aussi, faites le nécessaire. Je reprendrai bientôt pour un premier envoi. Parfait. Ok. Mon dieu! Un petit jeu fini à l'épice. Je vais devoir boire pour oublier. Ton ami Duncan, voici l'endroit du palais que je... L'homme a besoin de nouvelles expériences. Génial. Tu as vu le message. Ce Fremen de Thunotarbre, celui qui nous a donné les distilles. Il m'a parlé d'une région riche en épices. Alors attends, Thunotarbre, on marque jusqu'à où? Thunotarbre. Putain, c'est écrit en un papier qui n'écrivent pas. Voici le niveau actuel de nos stocks d'épices. D'accord. Qu'est-ce qu'il a à dire, lui? Le Fremen qui nous a donné les distilles. C'est celui qui nous a dit où se trouvent les moissons. Oui, bah c'est bon, on y va. Mais remplissez pas la tête. Allez, on sauvegarde et puis pub. Hop. Hop. On avance parfaitement bien. A tout de suite, pub. On s'en sort bien.
Re. Re. Dans Dune, re. Eh bien, dans... dans Dune. Hein? On y va. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je suis bien placé. Pour l'instant, tout avance bien. Si quelqu'un me dit que je fais une erreur, je le défonce. Je le choisir défonce. Destination sur carte. Et celle-là, elle ne dit rien. Alors, tiens Nicolas. C'est ça, un tonotabre. 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 Parfait. Ce sont les soldes d'été. Ah bon? Oui, mais on n'achète rien, achèterait rien. Neswang, tu poses cette carte. Je te vois arriver. Ça lag de ouf. Ah, sur Steam? Oui, oui, oui. Ah, mais y'a personne ici. Si, si, si. Alors. Ah ah, Paul Atreides. Oui, on m'a parlé d'immenses gisements d'épices au sud. Prends ton ornie et sud-est. Vole plein sud-est. Donc on est là. Avant d'atteindre la zone rocheuse, tu trouveras des Fremen. Sud-est. Je suis au milieu, hein. Et avant la zone rocheuse. Parfait. Tricky Wood Towers. Oui, oui, non mais d'accord, mais... Neswang, t'as assez de jeux. Attends, je regarde parce que apparemment il se passe des choses. Moi aussi, je vais gagner des trucs. Hop. Moi aussi, je veux du pognon. Moi aussi, je veux des jeux vidéo. Notre activité est d'extraire l'épice. Donc... Regarde les caractères. Notre niveau de production. Veux-tu que je répète ce que j'ai dit, Paul Atreides? Veux-tu que je répète? Non, je ne veux pas. Ah ah. Ah ah. Notre activité est d'extraire l'épice. Non. Voici les caractéristiques de ma troupe. Laisse-moi te. Veux-tu que je répète? Notre Laisse-moi non. te montrer les. Alors si je lui dis d'aller chercher de l'équipement, qu'est-ce qu'il fait en fait? Je ne veux pas déplacer ma troupe. Je suis né ici, tu oh, sais. Oh, ça va, calme-toi bien. Hein. Fin des ordres, ok. On est où? Voir densité. Est-ce qu'on est bien là? 1, 2, 1. Ok, c'est bon, on est là. Sud-est, avant, zone rocheuse. Hop. De jouer un peu mieux qu'hier, mais tout changera demain quand Sapin aura le jeu et qu'il choisir m'aura choisir destination non, sur pas comme ça. Donc je pense que les zones rocheuses c'est ça et on va sud-est. Désert vers le sud-est. Je joue bien là. Je joue bien. Et après on va voir les autres. Il va se faire détorcher par des mecs qui dorment dans le jeu, il sera étonné, ça sera de notre faute. Après, il y a Mostrif qui va te dire que je joue mal, et on va bannir Kunshiba. C'est une blague. Bonjour, Ambrosia. Oui, j'aimerais bien voir ta troupe. Mais d'abord, montre-la à Seldon. Avant les zones rocheuses. Parfait. Attends. Donc. Il y a rien. Ah non, il y a que. Bonjour. Oh non. Non. J'ai entendu parler de toi pour la traînée. Tu as été mal informé. Tout le monde est parti. C'est
tête. Je suis restée ici pour porter le deuil de mon mari, Jamis. Il est mort pendant un combat avec un jeune écervelé. Mais l'épice? Oui, l'épice est facile à trouver dans les environs. Et il y en a encore plus vers le sud. Ah bah alors où? J'ai entendu parler de toi, Paul Atreides. Je suis restée ici pour porter l'épice? Oui, l'épice est facile à trouver dans les environs. Et il y en a encore plus vers le sud. Eh bien, dis pas. Je connais plusieurs sièges. Parle! Utilise ta bouche! Oui, Paul Atreides. Je vais avec... Bon, tu voulais aller dans des zones riches en épices, non? Nous devons aller au sud-ouest. Parfait! Qu'est-ce qu'il dit, Gurney? Il faudra retourner au palais après avoir visité les trois nouveaux sièges. Attends. Ah, mais en fait, ça, c'est les sièges qu'on connaît, ça. Ouais, c'est de la triche, en fait. Donc, ouais. Ça, c'est les sièges qu'on avait vus la dernière fois. Ok. Voilà. Donc. Il est au prospecteur. Il va vers la zone d'en haut, là. Je pense que dans ce qu'on va faire, on va être malin. Si j'y retourne, là. Alors, attends. Donc, hop. Il y en a un là. Une là. Un là. Voilà. Là. Et on y va. Choisir destination sur carte. Oh merde, je crois que j'ai fait de la merde. 1, 2, 3, 1, 2... Ah oui, celui-ci, je le connais pas, du coup. Entre les deux... Et en même temps, là. Et après... Non, c'est bon. C'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Et là, on est là, du coup. J'ai visité. Ne vous endormez pas, je vous entends dormir. Réveillez-vous, regardez. Je vous souffle dans l'oreille, tout le monde va se réveiller. Réveillez-vous! Go. Abania Tab. Non mais commencez pas, hein! Allez, devenir DJ pour faire un morceau, j'avais des sélections sur 4. Ah putain, technologie rechargée, ça c'était pas mal, hein. J'avoue. En plus, dans le jeu, il y a marqué table de mixage. Et si vous voulez se plaindre, et vous va. Voici travailler pour toi. Je ne vois pas pourquoi. Donc, lui, il m'a dit non. Ce chef Fremen est un peu difficile. Okay. Choisir destination sur Abania Tuek. Parfait. Non mais tout se passe bien là. Est-ce que quelqu'un ici, Dilando, dis-moi que ça se passe bien. Tu me dis juste ça se passe bien et je vais rien entendre d'autre. Nous t'avons vu. Oui. Jax. Nous attendons. Cette zone doit être prospectée avant de commencer à extraire les pistes. Je sais. Ok. Voilà, va chercher l'équipement. Là, c'est bon.
Choisir destination sur carte. Allô, Dilando ? Abania Timin. Réveille-toi, Dilando ! Ça joue bien. Me parle pas. Dis pas ça. Je sais plus qui disait ça déjà, ça joue bien, mais je l'ai vu chez un autre streamer. J'étais pas bien. Bienvenue. Nous avons entendu parler de toi. Tu es le super fils. Odeur, voilà. Oui. Ma troupe attend tes ordres. Cette zone doit être prospectée avant de commencer à extraire l'épice. Ok. Allez. On va chercher des trucs. Vous avez vu, Dilando n'est pas là. Hein. Alors, ça c'est fait. Non mais voilà. Il n'est pas là. Là, moi je l'ai pas vu marqué. Hein. Choisir destination sur carte. C'est Kira. Il n'est pas marqué. Hein. Carthage Tuek. Le meilleur disparu. Mais il n'est pas disparu, il est là. Il est là avec vous, près de vous. Appelez-le. Ça fait des jours que nous... Notre activité... Voilà. Notre niveau de production a baissé. Laisse-moi te montrer. C'est un travail nouveau pour nous. Je vais te montrer l'expérience, moi. Non, il n'a pas répondu. Tu n'existes pas. Choisir destination sur carte. Tu m'as menti. Je crois qu'il n'y a personne ici. Attends. Personne. Dans le doute, on va y aller. On sait jamais qu'il y a un choisir mec qui se cache. Choisir destination sur Carthage Timin. Non, 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 pas besoin d'astuces. Tout se passe bien. Tout se passe bien. On est bien. Ça joue bien. Tu ferais mieux de parler avec... Choisir destination sur Carthage Arg. Ah, les streamers non aigris, c'est important. Ça fait des... Notre acte... J'ai un... Cette zone... Les arcs... Donc lui, je pense qu'il dira toujours la même chose. Dans le sens, les arconènes, les arconènes, les arconènes, au secours, les arconènes, les arconènes, les arconènes, au secours. Qu'est-ce qu'il a à dire, lui? Il faudra retourner au palais après avoir visité... Okay. Ouais, donc lui, je pense que si on y retourne, là, ça va commencer à déclencher le script. Ça se voit que tu es... Oh là, qu'est-ce que là ? Choisir destination sur carte. Allez. Carthage Tabre. Je suis pas allé. Salut, gros plus. Notre activité est d'extraire l'épice. Je suis plutôt content. Puis, notre niveau... Les Harkonnen ne sont pas très loin. Ok. Alors, on va essayer de faire un truc. Attends. On va essayer de faire un truc. Ça va ? Notre activité est d'extraire... Ok. Donc là, je lui ai dit d'aller chercher des trucs. Mais pourquoi sapin comme nom ? Car je sens le sapin. Voilà, pas faire mieux. Je vais dire au mec d'aller chercher des trucs. Choisir destination sur carte. C'est les astuces. Carthage Arg. Tu vois, ça c'est j'ai le nez. J'ai un nez. Ça fait des jours. Ça fait des jours. Ok. Je sais pas si ça va servir à quelque chose. Choisir destination sur carte.
Tuono Arg. Pour qu'on en guirlande. Monsieur Né, c'était déjà pris. Donc lui, il est toujours dans la prospection. Je sais pas s'il a fini de prospecter, lui. Ouais, il a fini de prospecter. Donc on va lui demander de... Nous sommes les prospecteurs d'épices. Nous sommes. Montre-moi trois sièges où je dois... Je vais te faire prospecter, moi, tu vas voir. Ce pif, cousin de Monsieur Plouf, hein, pas mal. Ok. Ok. Parfait. Allez, go. Choisir destination sur carte. Donc là, je suis ici. Maintenant, voilà. Tuono Tuek. Parfait. Je fais des erreurs, mais non, jamais, impossible. Impossible que je n'ai fait une seule erreur. Impossible. Notre acte. Voilà. Notre niveau. Laisse-moi. J'ai lu tout le manuel. Je me suis. J'ai baigné dans le manuel. Notre activité est dé. Ok. Choisir destination sur carte. Tuono Clam. Ok, donc le jour a changé. Il va falloir que je retourne au palais. Ok, personne. Good. Tu ferais mieux de... Ok, ok. Donc c'était le mec tout en bas qui voulait pas. Donc là maintenant j'ai visité tout le monde. Là. Choisir destination sur carte. Ouais, j'ai visité tout le monde. Voilà. Donc, maintenant que j'ai visité tout le monde, on rentre. Palais Atreide. Je te parle après. Je suis à toi après. N'oublie pas que pour l'instant. Mmh. Parfait. Et ma maman, Jessica, ta mère. Oh, Paul avec une fille. Je savais que cela arriverait. Ouais. Va seul dans le désert. Oui, laisse te pénétrer, tout ça. Laisse te pénétrer. Oui. J'ai compris, et si je te pénètre, après ça fait un truc. Paf. On va pas se faire... on va se laisser... voilà. On va se calmer. N'oublie pas que... Là. Paul. Je ne crois pas t'avoir déjà parlé des vers. Ouais, je sais. Les vers atteignent une taille gigantesque. N'hésite pas à regrouper des troupes dans un endroit où il y a beaucoup d'épices à extraire. Ah bon. Voici le niveau actuel de nos stocks d'épices. Tu peux remarquer que nous avons produit moins d'épices hier que le jour précédent. C'est parce qu'on les a fait bouger, là, c'est pour ça. Ça, c'est bouge. C'est normal. C'est normal. Bah c'est cash, ouais, bien sûr. Rappelle-toi. Bien sûr. Voilà, je regarde, il n'y a pas de nouveau message. Tout va bien. Tout va bien. Alors, je regarde juste dans les, sur la carte. Est-ce que des gens se sont... Ok, parfait. Très bien. Regardez bien, ils ont un orni et une moissonneuse.
Ce qui veut dire que il n'y aura pas de problème avec un verre. Ce qui est très bien. Je suis très satisfait. Montrez-moi votre satisfaction. Là, je veux que dans le chat, tout le monde me montre leur satisfaction. Salut Tadarigami. Donc, je veux... Waouh, c'est très bien. Ce que tu as fait, c'est vraiment bien. Vraiment, sapin, je suis fier. Je vais donner ma... mon héritage. Bravo. Bravo. Merci. Allez. On y va. On avance. Je suis satisfacté. Je peux te montrer ma... J'en peux plus. Bravo. Parfait. Donc maintenant... Choisir destination sur carte. Maintenant, on va retourner... on va refaire le chemin, en fait. Le chemin, tout ça, avant d'aller, dans tout ce qui est me balader dans le, dans le désert pour avoir des pouvoirs, parce que sinon il y a l'autre là qui va me demander d'avoir des épices. Et comme j'ai l'impression, en tout cas, je suis presque sûr que c'est des scripts hein, qui se débloquent et machin et tout ça. On va pas débloquer le script. Et on va essayer de trouver de nouveaux sièges afin de s'assurer d'être OP. Et après, quand je serai OP, le jeu, je vais le OP. On est déjà jour 8. Jour 8. Hey, jour 8. Nous avons entendu pas travailler pour toi. Je ne vois pas pourquoi. Voilà. Ce chef. Ouais, donc lui en fait il veut, je sais plus ce qu'il veut, mais il veut un truc. Là. Oui les OPC. Choisir destination sur carte. Abania Tuek. Tout le manuel je le bouffe. Je te bouffe ton manuel. Merci. Merci mon cher Shadow Ted. Des bisous. Merci beaucoup pour ton don. Tu me prouves ta satisfaction. Eh bien, laisse-moi... Celdel te prouvera notre satisfaction. Celdel, maintenant, il te... C'est un peu l'agent de la satisfaction. Merci beaucoup. Plein de bisous à toi. Il a oublié la contrebaisse du jeu. Voilà. Si, il y a eu l'alerte. Mais il n'y a pas de... Notre activité... Voici... La zone doit être prospectée. Notre activité... Je ne crois pas que je puisse trouver un orni dans les environs. Ok. Je fais juste un tour. Choisir destination sur carte. Abania Timin. Du coup, Pompon... Bah oui, Pompon, allons-y. Pompon. Bah oui, parce que j'ai pas dit Pompon, mais Pompon. Pompon. Je vais répéter un peu plus pour que pompon. Tapez pompon si vous pouvez pas pompon. Notre activité. Voici. La zone doit être pro. D'accord, en fait lui s'il prospecte rien. Il n'y a rien qui se passe. Notre acte. Je ne crois pas que je puisse trouver un orni dans les environs. Ok. Choisir destination sur carte. Tuono Timin. Ah, t'as vu, je chante bien. Je sais, merci.
Bon, il n'y a rien, je crois, là. Là. Ah non, il y a juste un mec, on comprend pas. Apparemment, il est là, mais il n'est pas là. Il faudra Ok. Choisir destination sur carte. Tourno Clam. Là, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Choisir destination sur carte. Hop. Tourno Tuek. Notre activité. Laisse-moi. Ok, donc il dit rien. Notre acte. Laisse-moi te montrer les caractéristiques de ma troupe. Ah, ils ont déjà pas mal de trucs. Okay. Donc lui, il peut rien faire d'autre. Ok. Voilà. Allez, on se casse. Donc en haut à gauche, il n'y a personne, mais on va quand même choisir y aller. Choisir destination sur carte. Dans le doute. Donc quand les mecs Tourno disent que Argue. Les Harkonnen ne sont pas loin, je pars du principe que ça veut dire que ça sera les premières bases à se faire attaquer. Ce qui me semblerait logique. Choisir destination sur carte. Carthage Tabre. Notre appui. Laisse-moi te montrer. Les Harkonnen. Pareil, lui, il doit avoir. Les deux. Ok. Choisir destination sur carte. Mais techniquement, ils vont pas attaquer maintenant. Choisir pompon sur carte. Oh, j'en sais super long de faire ça. C'est pas le plus intéressant. Lui. Notre acte. Puis-je te montrer. Voici cette zone. Les arcs. Ouais. Ok. Notre acte. Voici les caractères. Okay. Voici ce que de cette zone. Je ne crois pas que je puisse trouver un orni dans les environs. Parfait. Ah, il te touille, hein. Moi, c'est une touille. Quand bas y'a rien, on va pas y aller. On va pas y aller, c'est bon. Quand y'a rien, y'a rien. Quoi. On va aller là et là. Là. Ok. Je crois quand y'a rien, y'a rien. Choisir destination sur carte. Carthage, voilà. Tuek. Et puis après, on retourne à la... au palais. On se balade. Et puis voilà. On peut éviter facilement. Eh bien, je ne sais pas comment. Mais je spoil pas! Ça fait des... Notre... Laisse-moi te... Notre niveau de production a baissé. Les... Ok. Ça fait des jours que nous n'avons pas vu de toi. Je ne crois pas que je puisse trouver une moissonneuse dans les environs. Pas de soucis. Donc, va falloir trouver un moyen de toute façon pour... Ah, y a pas mal d'épices hein, en haut à droite, hein. Quand même, mine de rien. C'est pas mal. Hein. Mais je crois pas que ça soit très intéressant pour maintenant, pour le moment. Ok. Choisir destination sur carte. Tourno Tabre. Allez. Hop, hop. Et comme ça, on retourne au palais.
Par contre, j'ai peur que quand on en aura beaucoup, tu vois, finalement, est-ce que faut que je refasse le tour toutes les 5 minutes? Je pense pas trop. Notre acte. Laisse-moi. Notre nid. Regarde. Ok. Notre activité. Je ne crois pas que je puisse trouver un orni dans les environs. Pas de soucis. Donc là, j'ai visité tout le monde. Choisir destination sur carte. Je vais au palais. Palais Atreide. Et on va aller se balader. Donc d'abord, je sauvegarde. Super la musique en bas de chez moi. Je pense qu'on va fermer la fenêtre dans pas longtemps. Génial, les meilleurs. Les meilleurs, je vous dis. Vous devez pas l'entendre en fait, je crois. Donc, hop. Qu'avais-tu en... Ah, qu'est-ce que tu... Pourquoi je t'emmène dans le désert tout seul? Il faudra... Ouais, je sais. On va pas aller très loin. Juste attendre le matin pour voir. Allez, on rentre. Je sais pas si ma maman, elle va me dire Jessica, ta mère. Sentir, on pourra essayer de gagner Yoku's Island Express. Oh, c'est pas mal. Il est très bien. Je vous conseille vraiment d'y jouer. Voici le niveau actuel de nos stocks d'épices. Je suis très très cool. Tu peux remarquer que nous avons produit davantage. Oui, bien sûr. Putain, c'est bien. Rappelle-toi bien. Alors, jusqu'à ta mère. N'oublie pas. Jessica, ta maman. Va seul dans le désert. Ah, va seul. Laisse-le te pénétrer. Oh. L'épice est omniprésente. Ouais, on va se pénétrer. Attends, je vais pas... Un bien beau palais. Ah oui, c'est vrai qu'elle recommence. Tu n'as pas l'air de savoir ce que tu veux. Suis-moi. Il fait meilleur à l'intérieur. Comme tu veux, Paul. Les pires. Voilà. Oui, il y a beaucoup de pénétration apparemment. Allez, le sable! Voilà, c'est bon. C'est bon. Un message est arrivé au palais. Un message est arrivé au palais. Je me suis fait pénétrer! Wouh! C'est tout ce que je voulais, wouh! Le désert m'a pénétré. Merci le désert. Donc maintenant que je me suis fait pénétrer par le désert, essayons d'être intelligents. C'est ça. Un petit coup de désert et tout va bien. Voilà. Je peux pas. Je suis allé le plus vite possible. Je ne peux pas aller le plus vite que ce que je viens de faire. T'entends cette moto? Je peux pas aller plus vite que ça. Message de l'empereur Shaddam IV. Je veux. Ok. Je vais aller voir l'autre là. Je vais dire oh mon dieu, au secours, il nous faut tout de suite envoyer un monsieur un truc. Voici le niveau. Tu peux remarquer que nous avons. L'empereur a demandé un empereur.
Nous pouvons lui envoyer ce qu'il a réclamé, puisque nous avons suffisamment d'épices en stock. Nous pouvons lui envoyer la totalité de nos stocks. Non. Mais c'est vraiment beaucoup. Nous avons encore du temps avant la fin de la journée, mais... Paul, nous ne pourrons attendre plus. Rappelle-toi bien. Je fais pas la même connerie que la dernière fois. Voici le niveau à... Tu peux... L'empereur a demandé un envoi d'épices. Nous pouvons lui envoyer ce qui... D'accord, Paul. Allons immédiatement dans la salle de communication pour en... Bien. Allons-y. Bien. Je fais pas la même connerie que la dernière fois. Allez, c'est parti. Attention. Effets spéciaux, effets 3D. Écoutez bien. L'épice a été envoyée. Attendons la réaction de l'empereur. Je dirais que c'est la même moto, peut-être. Il ne faut pas nous inquiéter. Nous avons envoyé... Oui. Ah, la réponse vient d'arriver. Oh ! Jetons un coup d'œil sur ce message. J'avais oublié ça. Message de l'empereur Shaddam IV. Vous m'avez envoyé les... Ok. Donc en gros, je vais marquer jour 16. Voilà. Voici le niveau actuel. Tu peux remarquer que nous avons produit davantage d'épices hier que le jour précédent. C'est... Rappelle-toi bien que l'épice... Oh, on s'en va. Un peu froid. Je suis toujours prête. Tu me remplis. Paul est de retour. Oh, oh, trop bien. Il dit qu'il est au courant du message qui vient d'arriver. Oui, viens me voir plus tard, Paul, et je t'expliquerai. Ouais, bon. Allons tout. Regardez bien. Quoi ? Oui, Duncan. Je crois que le jeu a planté. Je suis pas sûr, hein. Je crois que le jeu a planté, hein. Oh, putain, un épice a tout fait péter. Ah bah... Ouais. Voilà. Bon bah... Écoutez... Varicette, hein. Enfin, Varicette, on va charger une partie. De toute façon, c'était pas loin. Tout va bien. J'ai bien sauvegardé la partie, oui. T'as fait quoi pour que ça plante ? Bah, rien. J'ai appuyé sur des boutons, quoi. Hop. Commencer les trucs, c'est pas grave. Vous savez, j'ai pas peur, moi. C'est fort! C'est fort! C'est fort, putain de merde!
Ouais, c'est toujours ma faute, ça, c'est sûr. T'inquiète, ça avait save, t'inquiète pas. T'inquiète pas. N'aie pas peur. Est-ce que je me suis fait pénétrer? Je crois que je me suis fait pénétrer, hein. Je crois qu'il y a eu histoire de pénétration avant ce qui s'est passé. Allez. Message de l'empereur Shaddam IV. Je veux un nom. Voici le niveau. Tu peux remarquer que nous avons produit. L'empereur a demandé un... Nous pouvons lui... D'accord, Paul. Allons. Bien. Allons-y. On va bientôt choisir Pompon, ouais. Oui, on va laisser. Attention! Ça parle d'une pénétration. Attention. Voilà. L'épice a été envoyée. Attention, il va faire... Oh. Attendons la réaction de l'empereur. Il ne faut pas... Ah, la réponse vient d'arriver. Message de l'empereur Shaddam IV. Vous m'avez... Monsieur n'a pas dit s'il te plaît. Allez. Donc on avait dit jour 16. Ah non, jour 15. Parce que là c'était le 10e. Là c'est 15. Est de retour. Oui. Il dit. Oui. 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 Viens. Oui. Oui. Bon. Oui. Merci R. Regardez bien autour de vous. Oui, Duncan. Des dunes. Et si nous pouvons rester ici? C'est grâce à Paul. Bien sûr. Ça n'a pas bugué. Nous, Fremen, avons une vieille prophétie qui dit qu'un homme viendra... Mais bon. Paul a visité 11 sièges et nous avons davantage de troupes à nos côtés. Dis-moi, Gurney, est-ce que... Mais... Ah, donc là, il s'est perdu. Vite! Jessica, ta mère! Il faut que tu m'aides! Oh, Paul! Suis-moi! Je te suis, Paul! On va voir... Non, Gurney! Non, il est mort! Non. Enfin, non, il est pas bien. Oh, Paul! Paul, tu es maintenant... T'es-tu rendu compte de l'importance... Tu es maintenant capable de... Oui, cette vision. L'épice en si grande quantité. Laisse-moi te regarder. Attends, mais... T'es-tu rendu compte? Tu es maintenant capable... Oui, cette vision. Eh bien, ces visions ont rapport avec ton éducation. Le Bene Gesserit. Oui. L'épice en... Mais attends, mais il est pas à droite, là? Gurney Alec a disparu. Va avec Jessica. Ah oui, mais... Mes sens ne m'indiquent rien de... Fallait lui parler avant. C'est bon? Mes sens ne...
Je vais te montrer tes sens, moi. Bouge pas. Je sens une porte cachée. Oh. Et là, Gurney, il est par terre. Oh. Oh. Gurney. Gurney. Je vais essayer de remettre Gurney. Vas-y. N'utilise pas cette porte. Oui, d'accord. Quoi ? Gurney Alec inconscient ? Va donc voir Tufirawat, notre manta. Il vient juste de revenir d'explorer le palais pour détecter des pièges. Il est où déjà ? La salle de communication. Tu le trouveras dans la salle. Ah, ok, ok. Ah, il est dégueulasse en plus, Tufir. Bol, je suis content de te revoir. Oui, découvrir les pièges. Allez, viens avec moi. Bol, je suis... D'accord, allons-y. D'accord, on y va. Il est bien. J'ai essayé de... Le piège était facile à trouver. Je l'ai enlevé. Allons dans l'armurerie. Attends, donc... Je sais pas si Gurney faut que je prenne... J'ai essayé d'ouvrir la... D'accord. Mais seulement pour... Voilà. Donc là, tout le monde est content. Je suis très intéressé par cette armurerie. En tant que maître d'armes, j'ai très envie d'examiner les armes qui sont ici. J'aurai ainsi des indications sur la façon dont nous aurons à combattre. Salut, Ninja. Belle armurerie, oui. J'ai donné l'ordre à cet homme de garder la... As-tu déjà pensé que nous pourrions... L'extraction d'épices est nécessaire. Sinon l'empereur... Tôt ou tard, ils se dresseront contre nous. Paul, écoute-moi. J'ai l'impression que ces Fremen pourraient être de redoutables... Renseigne-toi auprès des Fremen que tu connais. Ara y compris. Fais... Donc, on va le laisser là, tu Firawat, là. As-tu déjà pensé... Comme tu veux, Paul. Je reste ici. Là. Non, je veux rester ici pour examiner cette arme. Ouais. Je suis très intéressé. Parfait. Bon, bonjour. Pénétrer, dresseront... voyons les gens. Ah, pas de pénétration ici. Tout va bien. Donc là maintenant. Petite pub, non, on va arrêter à 45, donc dans 10 minutes. Donc, mais avant, il faut que je finisse des trucs. C'est important. Il faut que je setup afin de puisse avoir une bonne sauvegarde et me dire que ce stream nous aura amené où je suis mort. La dernière fois. Et cette fois, je n'ai pas fait mes mêmes erreurs. Donc ça veut dire que je saurai, nous découvrirons un nouveau monde. Donc. Non, c'est pas un nouveau joker, c'est les tokens. C'est les tokens. Donc, en gros, là, les trois premiers en haut, là, c'est là où les méchants Harkonnen vont venir foutre la merde. En tout cas, ils vont arriver. Donc, l'idée serait de déplacer les gens qui étaient avec moi ici. Je vais regarder. J'aimerais bien avoir une vue un peu plus panoramique de ce truc. Enfin, panoramique, un peu plus éloignée. Ok. Allez. Choisir destination sur carte. Carthage, Arg. On y va. Notre actif. Regarde. Notre nid. Laisse-moi. Cette zone est...
Les Harkonnen sont... Ouais, je sais. Notre activité est d'extraire l'épice. On va te faire descendre là. Notre activité est d'extraire... Montre-moi où je dois aller. Il n'y a personne, je crois. Ouais. Ok. Vas-y. Ah, et on lui demandera, après, quand il sera là, d'aller fouiller, voilà. Oh, Paul Atreides, tu es maintenant en mesure de nous contacter à distance. Formidable. Nous sommes en train de réparer notre équipement. Notre activité est d'extraire l'épice. Mais je veux pas te parler à toi. C'est eux là à qui j'ai envie de parler. Notre activité, notre expérience augmente. Nous sommes... Oui, je connais un grand Fremen, Stilgar. Nous le respectons. Notre niveau de... Laisse-moi. Les Harkonnen ne sont pas très loin d'ici. Montre-moi où je dois aller. Là, il n'y a personne. Il semblerait... Il est pas mal. Ok. Ouais. Voilà. Voilà. Attends. Choisir destination carte. Attends. Non. Choisir destination voilà, sur Voilà, vous avez choisir. Vous êtes content. Ok. Pourquoi il y a... Ça, c'est le mec qui a pas voulu m'aider. On va aller voir directement. Choisir destination sur carte. J'aurais Abania dû demander Tab. À Ara de venir avec moi, mais bon. Nous avons... oui, j'accepte. Parfait. Nous attendons tes ordres. Cette zone doit être prospectée avant de commencer à extraire l'épice. On a compris. Notre activité d'extraire l'épice est... Je ne crois pas que je puisse trouver une moissonneuse dans les environs. Alors... Nous sommes les prospecteurs... Laisse-moi te montrer les... On a prospecté toute cette région. Nous sommes les prospecteurs d'épices. Nous sommes... Ok. Merci, Nika. Merci. Beaucoup, merci. Énormément pour ton seul. Merci pour ton quatrième mois. Merci pour Console Mania ainsi que pour la chaîne. Plein de bisous pour toi. Et surtout, plein de pompons. Pompons. Merci. Hop. Ok. Donc, ça c'est bon. Ça c'est fait. Donc maintenant, je vais aller juste en haut là. Choisir destination sur carte. Abania Tuek. Eh bien, bon Neswick. Notre activité... Puis-je te... Notre niveau de produit... Laisse-moi te montrer les statistiques. Ok. Attends, c'est où on est. Notre activité... Je ne crois pas que je puisse trouver un orni dans les environs. Allez, ça c'est fait, lui. Choisir destination sur Abania Timin. J'ai peur de que le mec, là, le Stilgar, qu'il fallait avoir Ara. Je suis presque sûr qu'il fallait l'avoir. Fais chier. Laisse-moi... Oui, je connais un grand... Notre niveau de production a baissé. Jette un coup. Ah, on le
On le connaît, mais pour l'instant, tu connais beaucoup de choses, mais tu m'aides pas pour grand-chose, hein? Notre activité... Je ne crois pas que je puisse trouver un orni dans les environs. Oui, je connais notre niveau de production. Ok. Donc ça... Choisir destination sur carte. Ok, donc là, moi, je suis là. Allez, on avance. Tuono Timin. Je crois qu'il y a personne ici, mais on va quand même y aller. Je crois que les mecs se déplacent, là. Notre activité... Voici. Ok. Plus, il y a rien à dire, aussi. Notre activité. Je ne crois pas que je puisse trouver un orni dans les environs. Ok. Notre act... Puis... Veux-tu que je répète ce que j'ai dit, Paul Atri... Non, je veux pas. Ok, donc on va aller juste en haut, là. On va faire les trois. Choisir destination sur carte. Tuono Clam. Je pense que ça sera pas mal. Bon, maintenant, est-ce que... je pose la question à notre cher Neswang. Neswang, pas Neswang. Non, on pose pas de question à Neswang. À notre cher Dilando. Tiens, il y avait un mec. Oui, c'est le mec qui a bougé. Dilando, est-ce notre que j'ai fait une erreur est d'extraire l'épice. Normalement, non. Puis-je te montrer les caractéristiques? Oui, je connais notre niveau de production. Jette un coup d'œil sur notre... C'est ce que je voulais... Excusez-moi. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Notre act... Puis-je te montrer les caractéristiques de ma troupe? Je vais te montrer mes caractéristiques. Nous sommes en train de réparer notre équipement. Ça va nous prendre... Notre act... Puis-je... Veux-tu que... Nous sommes en train de ré... Je ne crois pas que je puisse trouver un orni dans les environs. Remonte la carte. Nous sommes en train de... Notre activité... Voici les caractéristiques de ma troupe. Merci Sparte. Merci Paul Fellow. Veux-tu que je répète ce que j'ai dit? Je vais te répéter, moi, tu vas voir. Notre activité est d'extra... Notre expérience... Regarde les cartes. Notre niveau... Laisse-moi... Veux-tu que je répète ce que j'ai dit? Mm-hmm. Donc là, faut que j'aille voir cela, là. Ça te dégoûte? Choisir destination sur carte. Ça Carthage Tuek. Alors que je connais d'une CD par cœur. Je vais te montrer la carte. Hein. Je vais là et je te montre la carte. Notre actif. Puis, regarde. Il y a un siège pas okay. Très loin d'ici, vers le sud-ouest. Sud-ouest. Eh bien écoute, sache que je te remercie. Bien sûr. C'est comme ça en fait que je vais fla le jeu quoi. Tu vois? Je suis ici. Sud-ouest. C'est comme ça que je vais le mettre à terre. Je pourrais danser sur ses cendres, car oui, je vais le brûler. Extraire l'épice. Je ne crois pas que je puisse trouver une moissonneuse dans les environs. Ok. Donc voici la map, Dilando. Choisir destination sur carte. Tu as trigger le siège le plus OP de la carte. OP. Voici ce que j'ai pour le moment. On est bien. On est bien. Sud-est. 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 Non, sud-ouest. Il m'a dit sud-ouest. Hein. Ouais, il m'a dit sud-ouest, pas sud-est. Désert vers le sud-ouest.
mais attends. Attends. Non, il y a plus rien qui, il y a plus personne qui me dit qu'il y a les Arco. Par contre, attends, une question. Est-ce que le fait de n'avoir personne avec moi qui me dit où sont les sièges va m'empêcher de trouver le siège? C'est une question très importante. Ça marche pas. Donc je suis obligé d'aller chercher quelqu'un. Genre il peut pas voir lui. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui voit à sa place. Ok. Choisir destination sur carte. Palais Atreides. Le héros est aveugle. Bah il a les yeux bleus, hein, tu vas me dire. Ah. Ah non, le sable me pénètre, au secours. Nous avons fini notre travail. Putain, elle est où? Dans ma chambre? Elle est où? Elle est où la pouffe? Bonjour. Je fais de mon mieux. Ok. Je suis très intéressé. En tant que maître d'armes, j'ai très envie d'examiner les armes qui sont ici. J'aurais ainsi... Tu feras raison. Il faut que nous soyons prêts. Pour l'instant, je reste ici. Mais bientôt, j'espère... Oui, mais pour l'instant, nanani, nanana, allez où, Ara? As-tu déjà pensé? L'extraction d'épices est... Tôt ou tard, ils se dresseront contre nous. Salut, Xavier. Paul, écoute-moi. Renseigne-toi auprès des Fremen que tu connais. Putain, faut aller Ara, voir, Ara. Regarde ta carte. Loin, à l'ouest du palais. Regarde ta carte. Je suis toujours prête à te... Je vais t'en mettre une, moi. Tu vas voir, tu vas être prête à me suivre. Choisir destination sur carte. Carthage, Tuek. Fais pas chaud, non. Bah, bizarrement, elle sait des trucs. Choisir destination sur désert vers le sud-ouest. Allez! Vas-y, avance. Vas-y, attends. Ah merde. Vas-y. Plus vite! Allez, plus vite! Non, mais là, c'est pas pour ça que ça a planté. Ça a pas planté. Regarde, Miku, ça a planté? Non, il a dit non. C'est les tokens, Mika. C'est les tokens de la chaîne. Il y a 35 tokens, c'est-à-dire 35 émissions bonus. Et j'utiliserai les tokens pour... On dirait un siège là. Non. Gauche. J'utilise les tokens pour qu'on garde le même rythme de quand on avait à 300 subs. Putain, génial. Alors. Ok. Parfait. Même si tu fais ça. Pas mal.
Regarde ta carte. Loin, à l'ouest. Il n'y a personne ici. Okay. Il doit potentiellement être pas mal. Alors, ce qu'on va faire, je vais... Je vais aller chercher les prospecteurs. Trop loin pour être contacté. Regarde ce qu'il y a dans le siège. Merde, j'ai pas vu. Alors. Oui, y'a rien dans le siège. Ah, cliquez dessus. D'accord. Ah oui! Ah oui! Il est vrai que... Eh bien, parfait! Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un truc génial qui s'appelle WinKit. On va WinKitter. Et je pense que sur ce WinKit... J'ai le droit de nombreux GG afin de vous dire quand même qu'en 2 heures, on est revenu où on était en 6 et en plus, on a avancé avec une map du jeu et j'ai pas triché. Voilà. Moi, j'ai loose 2 heures de ma vie. Eh bien, écoute, Thanatos, ce n'est pas grave. Sache que au moins, tu les as passés avec moi. Et tu sais très bien que tu ne les as pas perdus. Voilà. En tout cas, d'une GG, c'est comme d'une CD. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour la suite des lives. Je vous dis à samedi, eh bien, pour Console Mania. Et pour continuer d'une CD, j'ai sauvegardé. On fait une save state de fin de session en mode attention, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et on l'appelle d'une GG. En l'honneur de notre cher Jidan. Demain, j'espère que Nintendo m'enverra Mario Tennis. Si Nintendo me l'envoie pas, on l'achètera. Et au revoir. Au revoir.